Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire du GRIP. On va laisser quelques minutes pour que tout le monde puisse entrer et se connecter au webinaire. Donc, Émilie et moi, nous vous attendons encore pour quelques minutes et après, nous débuterons la présentation officielle. Bonjour, bonjour, je vois tout le monde qui rentre. Bonjour. Je vais expliquer tous les paramètres techniques dans quelques minutes, ainsi que la présentation de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire dans le chat si vous le souhaitez, mais je vais expliquer tout le fonctionnement d'ici quelques minutes. Je vois qu'une personne, notamment, a levé sa main. S'il y a un bobo technique, si je peux dire, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat. Mais sinon, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, bienvenue à tous. Puis, comme je vous dis, on attend encore quelques minutes. Bonjour David, Valérie, Céline, qui nous font des coucous. Bonjour, ça arrive encore? On va laisser tout le monde se placer. Alors, je vais expliquer tous les renseignements techniques, mais par défaut, tous vos micros sont coupés et caméras également. Une personne me pose la question dans le chat. Tout est déjà coupé. Je vais expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Ça commence à se stabiliser au niveau des participants, Émilie. Donc, je vais attendre encore une minute, puis on va démarrer. Bonjour tout le monde. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, je vais d'abord présenter Émilie Tremblay-Rag. Émilie est professeure au département de didactique de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM et chercheuse associée au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, le CRIFPE. Émilie s'intéresse à la didactique générale et à la pédagogie et plus précisément aux stratégies pédagogiques à tout ordre d'enseignement. Sa thèse de doctorat portait sur l'utilisation diversifiée des stratégies pédagogiques à l'université et les apports à la motivation des étudiants au premier cycle universitaire. Émilie est également cofondatrice, excusez-moi, de Taisez-vous, un organisme à but non lucratif qui soutient les étudiants au cycle supérieur en période de rédaction. Ses principaux intérêts de recherche sont les stratégies pédagogiques diversifiées et actives, le numérique en éducation, les habitudes rédactionnelles, la motivation à apprendre et la formation initiale des enseignants.
Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, alors pour répondre à toutes vos questions avant de passer sur le sujet même d'Émilie, oui, c'est enregistré. Tous vos micros et caméras sont coupés. Donc, vous pourrez poser toutes les questions via le chat. Donc, si ce sont des questions techniques, j'y répondrai personnellement. Si ce sont des questions d'ordre plus général, nous aurons des temps pour répondre à vos questions avec Émilie, durant la présentation, mais également à la fin. Voilà. Donc, Émilie aujourd'hui va nous parler de diversifier son enseignement au poste secondaire par l'utilisation de plusieurs stratégies pédagogiques, une avenue pour susciter la motivation à apprendre des étudiants. L'enseignement principal domine encore à l'enseignement supérieur, l'enseignement magistral, excusez-moi, domine encore à l'enseignement supérieur. Or, plusieurs chercheurs en éducation soutiennent qu'il est préférable de profiter des avantages d'une pluralité de stratégies pédagogiques, notamment parce qu'elle favoriserait la motivation à apprendre des étudiants. Ce webinaire vise à offrir des pistes de réflexion aux enseignants collégiaux et universitaires quant à l'apport de la diversification des stratégies pédagogiques à la motivation des étudiants. La présentation prendra appui sur une étude multicas qui a été menée auprès de 4 enseignants universitaires qui utilisaient plusieurs stratégies pédagogiques dans leurs cours. D'abord, le portrait de chacun des cas sera dressé, notamment en identifiant les stratégies utilisées, mais aussi des éléments de leur contexte d'utilisation qui ont agi positivement ou négativement sur la motivation à apprendre des étudiants. Également, un des cas qui s'est révélé porteur et inspirant sera présenté de manière plus approfondie afin de donner des exemples concrets d'une utilisation optimale de stratégies pédagogiques. Plus précisément, la mise en œuvre de 14 stratégies pédagogiques dans son cours a eu des apports positifs sur le niveau de motivation à apprendre de ses étudiants. En terminant, nous discuterons des retombées potentielles de l'utilisation de stratégies diversifiées sur la motivation à apprendre des étudiants. Donc, je vous rappelle, tout est enregistré. Vous pouvez vous poser vos questions dans le chat. Il y aura un temps de répondre. Et puis, la diffusion de ce webinaire-là se fera sur le site web du GRIP et vous recevrez également une évaluation quant à la teneur de ce webinaire. Émilie, si tu veux bien entrer dans le vif du sujet, c'est à toi. Alors, merci Marina pour cette présentation. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, l'enseignement au postsecondaire. Donc, si vous êtes enseignant au collégial ou à l'université, je pense que ma présentation va vous intéresser. Alors, je vais commencer tout de suite par vous présenter un peu le menu de la présentation. Donc, je vais faire une petite mise en contexte. Je vais vous parler un peu aussi, quelques mots sur ma recherche, la recherche que j'ai menée dans le cadre de ma thèse de doctorat. Je n'irai pas en profondeur dans la méthodologie, les analyses qui ont été effectuées, etc. Vraiment pour plutôt avoir du temps pour aller dans les principaux résultats de la recherche puis vous donner des trucs, des constats, des recommandations là, pour diversifier votre enseignement. Alors, voilà. Alors, on va commencer par une petite mise en contexte, puis je m'arrêterai à chaque fois que ce sera ce genre de diapositive-là là, qui change de sujet pour voir si vous avez des questions quant à la section là, dont je viens de vous parler. Donc, ça va me faire plaisir qu'on s'arrête à chaque fois. Pour ce qui est de la question à savoir ceux qui doivent partir plus tôt, on va essayer de pouvoir terminer pour 13 heures, puis après ça, avoir une plus longue période de questions de 13h à 13h30 pour ceux qui peuvent rester un peu plus tard après l'heure des idées. Alors, pour commencer, je voudrais vous expliquer un peu que le nombre d'étudiants universitaires continue à augmenter. Donc, depuis 20 ans, il y a vraiment une augmentation, mais le taux d'abandon, il est encore quand même préoccupant. Là, on parle de 32,8% des étudiants à l'université qui abandonnent encore. Bien, moi, ça me préoccupe. Donc, je me dis, comment on fait là, pour aider nos étudiants à ne pas abandonner? En fait, des taux d'abandon élevés chez nos étudiants, bien, ça a des conséquences, pas seulement pour eux, mais aussi pour la société et les universités. Bien, nos étudiants, s'ils ne réussissent pas à terminer leur bac dans les moments prévus, là, bien, ça fait ils n'ont pas accès à des emplois qualifiés. La société, c'est des manques de savoir, des manques de personnel qualifié qui arrivent sur le marché du travail. Puis pour les universités, évidemment, c'est beaucoup d'argent qui est dépensé là, pour ne pas mener à de la diplomation. Alors, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu là, lorsqu'il est question
de la décision d'un étudiant d'abandonner ou de persévérer dans ses études. D'abord, bien, il y a les caractéristiques sociodémographiques de l'étudiant, donc son passé scolaire, évidemment, tout ça, et son intégration académique et sociale. Tinto, c'est un auteur qui a travaillé beaucoup sur l'abandon aux études. Puis lui, il soutient que l'engagement de l'étudiant dans sa formation, c'est vraiment important. Donc, son intégration académique et sociale qui est bénéfique va l'aider à persévérer dans ses études. Donc, comme il y a une population étudiante de plus en plus diversifiée à l'université, bien, on va se demander comment réussir à atteindre toute cette clientèle d'étudiants à l'université, donc que ce soit des étudiants de première génération, donc que leurs parents n'ont pas été à l'université, dont ils ont des besoins particuliers, des étudiants qui font des retours aux études, on en a plus en plus sur nos bancs de classe, donc des étudiants plus âgés qui ont des backgrounds très intéressants, donc des réflexions encore plus approfondies, beaucoup d'étudiants étrangers, des étudiants avec EHDA. Puis aussi, bien, il faut se rappeler qu'on est à l'ère du numérique, donc des fois certains soucis au niveau de la gestion de classe, tout ça, bien, il y a des trucs pour pallier à ça. Alors, c'est pour ça que je vous amène là, rapidement vers la motivation, qui est, selon plusieurs auteurs, l'un des facteurs les plus importants qui contribuent à la persévérance et la réussite scolaire des étudiants. Donc, Pinterest, Robin, Valran et Sénécal, ce sont des études fortes dans le domaine qui ont démontré que des étudiants plus motivés, évidemment, bien, réussissent mieux. Alors, je vais vous présenter le modèle sur lequel je me suis basée dans le cadre de la thèse pour voir comment des activités pédagogiques qu'on peut présenter peuvent avoir une incidence sur la motivation à apprendre de nos étudiants. Alors, d'abord, j'ai mis à gauche, j'ai fait une petite adaptation du modèle de VIO, donc l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées, comment ça peut avoir des effets sur la motivation à apprendre des étudiants. Bien, VIO nous dit qu'il y a trois sources de la motivation. Donc, les étudiants ont une perception de la valeur de l'activité qu'on leur propose dans le cadre de nos cours. Donc, pourquoi je ferais cette activité-là? Donc, si on ne le verbalise pas et on n'explique pas tout ce qu'on leur fait faire, bien, il y a peut-être des petits doutes qui peuvent se poser dans la tête de nos étudiants. Donc, l'idée, c'est de toujours leur faire comprendre la valeur de l'activité. Ensuite, l'étudiant a aussi une perception de sa compétence. Donc, est-ce qu'il sera capable d'accomplir cette tâche-là qu'on lui propose? Puis finalement, bien, l'étudiant a une perception de sa contrôlabilité de l'activité. Donc, est-ce que j'ai un certain contrôle sur le déroulement de l'activité? Et tout ça, toutes ces perceptions-là, bien, vont mener à des choix au niveau de l'engagement cognitif et de la persévérance des étudiants. Donc, plus les étudiants sentent l'activité a de la valeur, qu'ils sont compétents pour la réaliser et qu'ils ont un certain contrôle sur celle-ci, bien, ça va les amener à faire des choix en termes d'engagement cognitif, puis évidemment vers l'apprentissage. Donc, c'est pour ça qu'on dit la dynamique motivationnelle, donc la motivation à apprendre. Et là, vous voyez aussi la flèche de retour qui revient vers les sources de la motivation. Donc, plus on a des perceptions positives, plus on fait des choix en conséquence qui vont nous engager cognitivement, plus on va apprendre, donc des bonnes notes, des meilleurs résultats, des apprentissages réussis, des activités stimulantes. On va, évidemment, ça va influencer nos sources de la motivation. Donc, pour la prochaine activité, bien, on va avoir une meilleure perception de notre compétence, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que nous, en tant qu'enseignants, bien, on a un rôle à jouer de premier plan, en fait, au niveau de la motivation à apprendre de nos étudiants. Donc, oui, par notre enseignement, par la nature des relations qu'on a avec nos étudiants, leur dire bonjour, etc., mais aussi, c'est nous qui choisissons les activités pédagogiques qu'on propose à nos étudiants. Donc, pourquoi pas choisir des activités qui sont reconnues pour être motivantes pour nos étudiants? Alors, je vais vous présenter un peu certains enjeux là, de la pédagogie universitaire. Donc, les stratégies qui sont à l'heure actuelle utilisées à l'université, puis je vais vous amener un peu vers la recherche ensuite. Donc, en ce moment, bien, je ne vous cacherai pas que j'imagine que tout le monde le sait, la pratique la plus répandue est encore l'enseignement magistral. Mais il y a plusieurs programmes où certains chargés de cours et professeurs qui utilisent aussi une seule stratégie pédagogique dans le cadre d'un cours ou dans le cadre de programme. Si je donne un exemple, il y a le programme de biologie à l'UQAM qui, par exemple, va utiliser l'apprentissage par problème dans la majorité de ses cours.
Donc, et il y a certains effets positifs qui ont été démontrés de ces stratégies pédagogiques dites actives qui sont utilisées dans le cadre de cours universitaires ou collégiales. On peut aussi utiliser plusieurs stratégies pédagogiques dans le cadre de programmes. Donc, j'ai recensé quelques études qui ont fait état de la motivation d'étudiants lorsqu'ils sont confrontés à certaines des stratégies pédagogiques dans le cadre de leur bac, mais aucune étude ne recensait vraiment ce qui se passait dans le cadre d'un cours précisément, puis la variété de stratégies pédagogiques dans le cadre d'un cours. Donc voilà, alors c'est là que je me suis questionnée beaucoup en fait sur voir comment la pluralité de stratégies pédagogiques dans le cadre d'un même cours utilisé par un même professeur pourrait avoir des effets sur la motivation à apprendre de nos étudiants. Donc, je voudrais mentionner ici que ce n'est pas que l'enseignement magistral n'est pas bon en soi ou que l'apprentissage par problème est bonne ou moins bonne qu'une autre. C'est vraiment que chacune des stratégies pédagogiques vise à atteindre des buts différents d'apprentissage. Et le fait de sélectionner la bonne stratégie au moment opportun pour des visées d'apprentissage différentes, mais ça va favoriser le développement des compétences de nos étudiants ou l'acquisition de connaissances différentes. Donc, si on vise l'acquisition de connaissances, on va choisir des stratégies qui sont plus vers l'exposé interactif, l'enseignement magistral, l'apprentissage par la découverte, alors que si on vise des stratégies, le développement de compétences, de communication, résoudre des problèmes, etc., on va aller plus vers des stratégies actives. Donc, pourquoi le recours à une pluralité de stratégies pédagogiques? Bien, ça a été démontré par certains auteurs. Ça dit que les auteurs disent que ça réduit la saturation d'une situation d'une seule stratégie. Donc, si on utilise, c'est un peu ce qui arrive en ce moment avec l'enseignement magistral. C'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est sa surutilisation dans le cadre d'un cours qui devient, qui crée un effet de saturation chez nos étudiants. Donc, le recours à une pluralité de stratégies va permettre justement d'enrayer une certaine routine qu'on pourrait... et puis, les étudiants qu'on a reçus en entretien nous disaient souvent « Ah, c'est différent. À chaque cours, je vois quelque chose de différent. Donc, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, j'y vais parce que je suis intéressée de savoir ce qui m'attend. » Et finalement, il y a des études qui ont démontré aussi que le recours à une pluralité de stratégies va favoriser la motivation à apprendre des étudiants. C'est ce que ma thèse a aussi... c'est une des conclusions de la thèse, en fait. Donc, un petit mot sur les aspects plus théoriques, là, les mots précisément. Donc, si vous faites des recherches, si vous avez envie de trouver des ouvrages qui vont vous parler plus spécifiquement des stratégies dont je vais vous parler aujourd'hui, puis que vous avez envie d'en connaître plus, etc., vous allez voir que vous allez peut-être avoir de la difficulté à trouver le mot à taper dans vos recherches. Donc, c'est pour ça que je vous mets un peu un nuage avec quelques mots utiles là, que vous pourriez utiliser. Donc, certains auteurs parlent de stratégies, d'autres de méthodes pédagogiques, d'autres de modèles d'enseignement ou de formules pédagogiques. Puis, moi, j'ai décidé de vous parler de stratégie pédagogique parce que ça parle de tout ce que je veux vous parler aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on souhaitait observer dans la thèse, c'était des stratégies pédagogiques. Donc, un ensemble d'opérations qui tiennent compte des caractéristiques de la situation pédagogique et qui visent l'atteinte d'objectifs d'apprentissage. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait référence quand on sélectionne une stratégie pédagogique. Donc, quelles sont les visées, les objectifs pédagogiques? De ça découlent deux concepts plus précis, donc spécifiques, méthode pédagogique et technique pédagogique. Donc, la méthode pédagogique, c'est vraiment des stratégies qui ont une démarche complète, des étapes à respecter avec un début, une fin, qu'est-ce qui se passe dans le milieu. Donc, par exemple, on parle d'apprentissage par problème, l'apprentissage coopératif, où on a vraiment des visées précises. Alors que des techniques, c'est plutôt des petites stratégies qui peuvent être utilisées là, dans de courtes périodes de temps. Donc, pendant un cours de 3 heures, on peut utiliser très bien un jeu de rôle ou faire un graffiti collectif. Puis, je voudrais aussi préciser qu'il y a certaines techniques pédagogiques qui s'inscrivent dans des méthodes. Par exemple, là, je prends l'exemple en bas du graffiti collectif que vous voyez en bas à droite. Bien, c'est une technique qui est souvent utilisée en apprentissage coopératif. Donc, il y a plusieurs choses comme ça. Donc, il y a plein de possibilités de pouvoir diversifier vos stratégies pédagogiques en utilisant des méthodes et des techniques.
Donc, pour répertorier l'ensemble des stratégies, donc j'ai commencé par faire une recension de 6 grandes typologies du domaine. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir davantage, là, je vous propose de prendre en note ces auteurs-là. Mais inquiétez-vous pas, le PDF de cette présentation va être disponible après sur le site du GRIP. Donc, vous pourrez avoir accès à tout ça. Vous pourrez. Donc, j'ai fait une synthèse des 6 typologies de stratégies pédagogiques que vous voyez ici, dont certaines s'adressent à tous les ordres d'enseignement et d'autres sont plus spécifiques à l'enseignement universitaire, comme Préjean. Mais ça commence à dater un peu, donc j'en ai d'autres un peu plus récentes aussi. Alors, voici la synthèse que je vous propose, qui va vous permettre un peu de comprendre où se situent ces stratégies pédagogiques-là et dans quel contexte vous pourriez choisir ces stratégies-là plutôt que d'autres. On voit ici que j'ai placé les stratégies pédagogiques selon les 4 grands courants de pensée en éducation, comme l'avaient fait Joyce, Viennot et Rabi Viola. Donc, ça s'en va d'un pôle magistro-centré à pédocentré. Magistro-centré, ce sont les stratégies qui s'inscrivent davantage dans une perspective de l'enseignant. Donc, l'enseignant décide, fait beaucoup de choix, tandis que pédocentré, c'est vraiment une ouverture et des choix beaucoup plus importants par les étudiants. Donc, on a des méthodes et des techniques. Donc, ça, ce sont toutes les stratégies qui ont été répertoriées là, dans le cadre de la thèse. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions pour le moment, Marina, là, des gens qui ont besoin de clarification pour ce qui a été présenté jusqu'à présent? Il y avait une question de Mme Betty qui demandait au tout début des thématiques abordées. Qu'est-ce que View entend par la valeur accordée? Exemple, la pondération à l'évaluation ou les liens avec une profession en développement ou autre chose? Oh, bonne question. Je n'ai pas la réponse précise sur cet aspect-là, mais oui, il définit vraiment le contrôle sur les activités qui sont présentées. Est-ce que c'est en lien avec l'évaluation? Puis, est-ce qu'on a du contrôle sur l'évaluation? Donc, un des cas issus que j'ai étudié dans le cadre de la thèse, lui, justement, ça ressortit par rapport aux étudiants le fait qu'ils donnent des choix en termes de l'évaluation finale du cours. Donc, les étudiants pouvaient choisir de le faire en équipe, de le faire seul, et il y avait trois choix différents d'examen. Donc, un examen écrit, un travail plutôt de session ou un atelier réalisé en classe. Donc, et ça, les étudiants ont vraiment dit que ça faisait une grande différence sur leur motivation à faire l'examen final, de pouvoir avoir choisi la modalité qui les convenait davantage, qui leur convenait le mieux. Autre question, quel est le lien ou la différence entre les stratégies énumérées et la pédagogie inclusive? La pédagogie inclusive, c'est vraiment comment on réussit à inclure tous nos... Mais là, je ne suis pas spécialiste de la pédagogie inclusive, mais ma compréhension est la suivante, c'est qu'on va justement modifier un peu nos activités pour répondre aux besoins de chacun des apprenants. Mais... mes propositions aujourd'hui vont un peu répondre aux besoins diversifiés de tous les apprenants. Puis c'est ce que je vais vous expliquer. C'est que quand on propose des activités différentes, mais si on a un étudiant qui a des difficultés à avoir de l'attention pendant une longue période de temps, bien peut-être que l'activité active que je vais lui proposer, donc une démarche, une étude de cas, par exemple, va mieux convenir à cet étudiant-là qui a, par exemple, un déficit d'attention. Et donc, oui, c'est très relié à la pédagogie inclusive et l'utilisation d'une diversité de stratégies pédagogiques pour répondre aux besoins diversifiés de tous nos étudiants, en fait. J'espère que ça répond. Si je peux me permettre, ayant travaillé sur l'éducation inclusive, on vise vraiment une pédagogie pour tous, qui puisse répondre justement à tous, et non plutôt qu'une activité pour un étudiant qui a un besoin particulier. Je ne sais pas si ça peut clarifier, mais si ça peut aider. Oui. Et donc, quelqu'un justement clarifie dans le forum que pédagogie inclusive s'intéresse aux étudiants ayant des besoins particuliers. Et une personne qui demande également, si je peux me permettre, en lien avec la première question qui était sur les valeurs de Vio, une personne dit, si je peux me permettre, si on fait seulement référence aux notes des étudiants, cela risque de susciter un engagement moindre versus le fait de faire un parallèle avec l'utilité dans la future profession qui risque de susciter un meilleur engagement. Tout à fait. Les liens avec la profession, c'est ce qui est ressorti le plus important au niveau des perceptions des étudiants. Lorsque l'enseignant raconte des anecdotes et relie toujours ce qu'il raconte avec la vraie profession, mais aussi
verbalise pourquoi il fait cette stratégie-là, pourquoi il met les étudiants en action, quelle est l'utilité et le transfert dans la future profession. C'est ressorti comme étant vraiment très important. Je vais en parler un peu plus tard, les perceptions des étudiants par rapport aux trois composantes de VIO. Si vous le permettez, je pense qu'on va justement poursuivre. Oui, tout à fait. Il n'y a plus de questions, donc tu peux y aller, Émilie. Ouais, je vois qu'il y a une petite coquille ici qui va être corrigée dans le mot recherche. Donc, la recherche, en fait, je vais vous en parler rapidement. J'avais deux objectifs précisément. Donc, on voulait décrire l'utilisation et le contexte d'utilisation des stratégies pédagogiques diversifiées dans le cadre de cours universitaires et aussi examiner l'évolution de la motivation à apprendre des étudiants qui étaient soumis à une diversité de stratégies. Donc, pour ce faire, il y a toute une stratégie d'échantillonnage qui a été mise en place. D'abord, on a envoyé des courriels à des directeurs de programme et à des conseillers pédagogiques de plusieurs universités au Québec pour qu'ils nous recommandent des professeurs, des enseignants, en fait, universitaires qui avaient des bonnes évaluations d'enseignement puis qui étaient reconnus pour varier leur stratégie pédagogique. Donc, on en a 60 qui ont été nominés. On leur a envoyé un courriel. J'ai réalisé des courts entretiens téléphoniques avec 23 d'entre eux. Il y en a donc 9 qui ont ressorti comme utilisant une diversité de stratégies pédagogiques. Puis de ces 9-là, bien, on en a sélectionné 4 là, qui utilisaient le plus de stratégies pédagogiques, mais aussi qui représentaient 2 domaines. Donc, je ne voulais pas seulement avoir des enseignants universitaires en éducation, par exemple, ou en sciences sociales. Donc, on en a pris 2 en éducation, donc en formation d'enseignement, et 2 en génie. Un à la Polytechnique, un à l'ETS. Donc, voilà. Ensuite, donc, pour répondre à ces 2 objectifs-là, on a fait des observations en classe, des entretiens semi-dirigés avec les étudiants à la fin de la session, puis avec l'enseignant aussi. Donc, on a fait des entretiens. Puis, pour examiner leur motivation à apprendre, il y a eu des questionnaires au retour apporté et validés par Bédard et Vio qui ont été proposé aux étudiants donc au début de la session, au milieu et à la fin de la session. C'est ce qui nous a permis de voir l'évolution de leur niveau de motivation à apprendre. Puis, des entretiens ont été réalisés avec 10 des étudiants dans chacun des cas. Puis, aussi l'entretien avec les formateurs. Donc, rapidement, les principaux... pas rapidement, non. Je vais prendre un peu de temps pour cette section-là. Ça, c'était assez rapide. Maintenant, là, on rentre dans le creux, dans le gros morceau du webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vais vous décrire les stratégies pédagogiques par les 4 enseignants universitaires. Oui, c'est des résultats de recherche, mais je suis vraiment persuadée que vous pourrez facilement les reproduire dans votre pratique. Donc, l'idée, c'est de s'inspirer de quelques petits trucs, des idées qui ressortent, même si ce n'est pas votre domaine précisément. Je pense que vous pourriez vous inspirer de chacune des stratégies que je vais vous présenter, surtout là, lorsque je vais vous parler précisément d'un des cas qui était le plus porteur. Je vais vous expliquer chacune des stratégies. Ça va vous aider à le voir dans votre cas, avec votre sujet d'étude, dans votre domaine, comment vous pourriez utiliser ces stratégies-là, puis les mettre à votre main, évidemment. Alors, on avait 4 formateurs universitaires. Donc, le premier, c'était Alex en génie, lui est chargé d'enseignement. Il a une maîtrise en éducation. Puis, il a 10 ans d'expérience. Donc, il avait aussi un groupe d'étudiants, 42 étudiants. Tandis que Marc, aussi en génie, avait le même nombre d'étudiants environ. Il est maître d'enseignement, mais il n'y a pas de formation précise en éducation. Donc, si vous êtes d'un autre domaine, vous n'avez pas de formation en éducation, c'est possible, vous pouvez quand même utiliser les stratégies que je vous propose aujourd'hui. Marc était un maître d'enseignement exemplaire qui en utilisait plusieurs. Donc, 25 ans d'expérience, puis s'intéressait beaucoup à la pédagogie. Chaque année, il allait dans des colloques, dans des congrès, puis il essaie de faire des formations là, pour parler de ses stratégies innovantes. Carlos, lui, est professeur. Il a un bac en fondement de l'éducation, une maîtrise et un doctorat en éducation, puis plus de 20 ans d'expérience en éducation. Et vous remarquerez que son groupe était un peu plus élevé là, que les 2 cas en génie. Même chose pour Kate, qui est une chargée de cours avec un petit peu plus d'étudiants. Donc, formation initiale en enseignement, plusieurs années d'expérience en enseignement et une maîtrise en éducation. Donc,
Quelles stratégies ils ont utilisées, ces quatre formateurs universitaires, ces quatre enseignants universitaires? Beaucoup, beaucoup de travail d'équipe. Donc, vous pouvez voir ici à droite le nombre d'extraits total. Puis, des tests ont été faits aussi pour s'assurer que vraiment ce que je vous propose, là, chaque catégorie, chaque extrait était classé dans la bonne catégorie. Donc, beaucoup de travail d'équipe. Pour certains, un peu moins. On voit qu'Alex, en faisant un peu moins, il fait d'autres choses. Exposé magistral et interactif. Donc, c'est vraiment intéressant ce résultat de recherche-là parce que on se fait souvent dire, bon, il faut innover, il faut faire des pratiques actives, etc. Mais ma recherche a démontré qu'il ne faut pas délaisser l'exposé magistral interactif au profit des autres stratégies, qu'il faut utiliser l'exposé magistral interactif pour faire des compléments d'informations, des retours sur les lectures, mais surtout aussi pour revenir sur des concepts théoriques qui ont été vus en apprentissage actif. Donc, ne pas nécessairement utiliser l'exposé magistral pour commencer les cours et faire des diaporamas de 2 ou 3 heures, mais de faire des retours, des lignes du temps, etc., etc. Je vais vous en parler un peu plus tard. La troisième stratégie qui a été la plus utilisée par nos 4 formateurs a été les jeux pédagogiques. Puis ça, je vais vous expliquer plusieurs exemples de jeux pédagogiques que vous pourriez faire avec vos étudiants lorsque je vais vous parler de Carlos. Donc, 2 stratégies là, utilisées abondamment, l'exposé magistral, le travail d'équipe. Donc, exposé magistral, je vous en ai parlé rapidement. Donc, on peut faire des lignes du temps. On peut faire des schémas au tableau avec des craies de couleurs ou des crayons effaçables de couleurs. On peut faire des schémas, des cartes conceptuelles avec nos étudiants. L'idée, c'est de ne pas parler pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, sans s'arrêter. Faire des pauses d'apprentissage fréquentes. Des pauses d'apprentissage, j'entends, on s'arrête pour poser des questions, lancer une question en sous-équipe, en diade. Individuellement, faire réfléchir nos étudiants pendant qu'on parle sur une notion qui vient d'être vue, faire des retours, vérifier les connaissances antérieures, etc. Donc, tout ça, ce sont des bonnes pratiques qui font que l'exposé magistral ou interactif va être porteur puis va susciter la motivation des étudiants. Quant au travail d'équipe, oui, les étudiants apprécient le travail d'équipe, mais ils apprécient d'autant plus lorsqu'on leur laisse du temps en classe pour le faire. Donc, si la charge de travail au niveau des travaux d'équipe est trop importante à l'extérieur des cours, ça peut susciter une démotivation de nos étudiants. Donc, il faut donner des travaux en lien avec ce qu'on a donné. Il faut tenter de varier le travail d'équipe. Donc, pas toujours donner un atelier sous la même forme suite à un exposé magistral qu'on vient de donner. Le travail d'équipe peut être réalisé avant. Ça peut être au milieu d'un exposé. Donc, essayer de varier les façons de faire travailler nos étudiants en équipe. Surtout, une bonne pratique qui a été porteuse, puis 2 des 4 enseignants l'ont utilisée, c'est de ne pas toujours laisser choisir les équipes de travail par les étudiants. C'est-à-dire que nous, on peut imposer des équipes de travail, surtout au début de la session. Puis, ça a été particulièrement porteur pour les étudiants en génie, mais aussi pour ceux en éducation, parce que l'Ordre des ingénieurs demande aux ingénieurs, futurs ingénieurs, de travailler en équipe avec des collègues qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc, vraiment, mais c'est surtout toujours d'avoir en tête d'expliquer pourquoi on fait ces choix-là. Pas juste dire on varie les équipes, toujours expliquer. Dans votre future profession, vous allez devoir travailler avec des collègues, vous n'allez pas toujours choisir et vous êtes en première année de bac, ce qui était le cas dans le cadre de ma thèse. Vous êtes en première année de formation, j'essaie de vous ouvrir à la possibilité de travailler avec différentes personnes. Donc, pourquoi on fait ces choix-là? Toujours les expliquer. Puis, là, vous allez peut-être me dire, ah, ben, c'est pas possible, j'enseigne à 100 quelques étudiants dans un amphithéâtre avec des chaises vissées dans le plancher. Effectivement, c'est pas des conditions vraiment extraordinaires où est-ce qu'on peut favoriser le travail en équipe, mais il y a toujours des modalités qui peuvent être utilisées. Je vous demande pas nécessairement de passer des petits cartons de couleur, puis que là, tout le monde bouge dans la classe pour se déplacer d'endroit, mais ça peut être aussi simple que cette activité en ce moment, OK, vous allez travailler avec la personne devant vous. Prochaine activité, votre personne à droite ou en arrière. Donc, avoir des petites idées comme ça là, qui vont vous aider dans votre gestion de classe, mais qui vont favoriser la variété des équipes.
Je vais vous expliquer un peu la motivation à apprendre des étudiants là, de ces quatre formateurs-là. Au niveau de la perception de la valeur, de la compétence et du contrôle, c'était sur une échelle de 5. Donc, on peut voir, je vous ai dit qu'ils ont été sondés à 3 reprises, mais dans le cadre de l'article qui a été rédigé, on a seulement considéré 2 temps au début et à la fin de la session parce que les différences... On avait beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas là, donc on a fait des choix méthodologiques qui nous ont permis d'avoir un temps 1 et un temps 2. Donc, au niveau de la motivation, donc je vous montre ici rapidement. Donc, au niveau des perceptions de la valeur, donc on a quelques valeurs qui étaient en décroissance entre le début et la fin de la session, seulement pour Kate qui avait une perception de compétence qui était plus élevée. Puis, pour Alex et Carlos, des augmentations du niveau de perception des étudiants par rapport à la valeur et la compétence. 2 petites secondes. Bon, OK, j'ai réussi à cliquer. Alors, il y a d'autres facteurs qui ont vraiment, tu sais, au-delà des perceptions de motivation des étudiants, il y a d'autres facteurs qui ont contribué à moduler les bénéfices de la diversification des stratégies pédagogiques. En fait, c'est que je ne voulais pas aujourd'hui que vous ressortiez à la fin de cette présentation en vous disant, bon, le fait de varier les stratégies pédagogiques, peu importe comment on le fait, c'est sûr que ça va augmenter la motivation à apprendre de nos étudiants. Loin de là, l'idée de ma part de vous faire ressortir avec cette idée-là, parce qu'il y a plusieurs conditions qui vont moduler là, vraiment le niveau de motivation de vos étudiants. Donc, d'abord, il y a les facteurs qui sont liés à l'enseignant. Il y a beaucoup de qualités professionnelles et personnelles du formateur qui ont ressorti. Donc, votre dynamisme, votre disponibilité, la qualité de votre soutien et de l'humour que vous faites lorsque vous faites ces stratégies pédagogiques-là, je ne mets pas ça de côté. Donc, ça, c'est important pour moi de le rappeler. Il y a aussi des facteurs qui sont liés au cours. Donc, si le sujet les intéresse d'emblée, c'est sûr que ça va aider à leur motivation à apprendre, puis ça, je ne le mets pas de côté. La structure du cours aussi, des enseignants qui sont très structurés, les étudiants savent où ils s'en vont, même s'ils ne savent pas ce qu'ils font précisément comme stratégie pédagogique au prochain cours, ils savent où ça s'en va. L'enseignant n'envoie pas des courriels à chaque 2 jours parce que changer ça, imprimer ça, ne pas imprimer ça. Donc, vraiment, les étudiants le ressentaient lorsque leur enseignant est structuré, ça a influencé leur motivation à apprendre. Puis, il y a aussi des facteurs qui ont ressorti quant aux étudiants, vraiment. Donc, la relation qu'ils ont entre eux, ça a joué pour beaucoup. Donc, je pense que le fait de les mettre en équipe souvent, d'utiliser des stratégies actives, ça pouvait jouer beaucoup sur la relation qu'ils vont entretenir entre eux. Puis, c'est notre rôle aussi de favoriser des bonnes relations dans le groupe. Donc, de circuler, de s'assurer lorsqu'il y a des mésententes, etc., de rectifier le coup, de voir comment les étudiants peuvent avoir des meilleures relations. Puis aussi le profil des étudiants du groupe. Donc, certains enseignants me disaient, j'ai beaucoup, beaucoup d'étudiants en retour aux études cette session-ci. Ça a vraiment changé la dynamique de mon cours. Donc, il faut savoir que mon étude, c'est une étude qualitative. Donc, les résultats, évidemment, sont transférables dans d'autres contextes, mais vous ne pouvez pas directement dire, parce que j'utilise telle stratégie comme Carlos, c'est sûr que mes étudiants vont avoir un niveau de motivation qui va élever, s'accentuer, avoir un meilleur niveau de motivation à apprendre. Ce n'est pas ça que je dis. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Je vous parle de Carlos, puis après, je vais prendre les questions par rapport à toutes les stratégies que je vous ai présentées. Donc, Carlos, je vous rappelle, c'est un professeur en formation à l'enseignement. Donc, il s'adresse à un public de futurs enseignants. Et pour lui, c'était vraiment important lorsqu'il présentait chacune de ses stratégies. Donc, vous voyez qu'il en fait, il en a fait 14, si je ne me trompe pas. Donc, le décompte est là. Donc, beaucoup d'ateliers, beaucoup de jeux pédagogiques, des exposés magistraux, des présentations orales par ses étudiants, puis plein d'autres stratégies là, que je vais vous expliquer rapidement. C'était très important pour lui d'expliquer toujours la valeur de ce qu'il proposait.
et expliquer avant, mais aussi après, à quoi ça a servi de faire ce jeu pédagogique-là, à quoi ça a servi de faire un jeu de rôle dans lequel on se met dans la peau d'un élève, d'un enseignant, parce que les étudiants peuvent rapidement trouver que ça peut être bébé de faire une activité, de ne pas nous prendre au sérieux lorsqu'on fait cette stratégie-là. Donc, madame, pourquoi vous ne nous expliquez pas là, en avant? Donnez-nous du savoir. Ils s'attendent souvent à ça, les étudiants. Donc, Carlos, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait vraiment le temps d'expliquer la plus-value de faire cette stratégie-là, son choix pédagogique derrière, donc son intention de faire ces stratégies-là. Et ça a été vraiment porteur pour une meilleure motivation à apprendre. Ça, tous les étudiants nous l'ont. La plupart des étudiants reçus en entretien nous ont dit ça. Donc, un gros plan, en fait, sur les stratégies pédagogiques inspirantes que Carlos a utilisées dans le cadre de son cours. Donc, il a fait beaucoup de jeux pédagogiques. Des jeux pédagogiques, en fait, c'est qu'ils s'inspirent d'un jeu télévisé qui est actuellement à la mode et qui pense que ses étudiants pourraient être intéressés. En 2017, lorsque j'ai fait la recherche, c'était le tricheur qui était à la mode, par exemple. Donc, lui, il a fait vraiment une mise en scène complète là, avec la bande audio annonce, le jingle de cette émission-là, et il respecte toute cette façon de faire-là. Donc, ça, c'est une des façons de faire. Les étudiants ont vraiment apprécié ça. Ça captait l'attention qu'ils nous disent. C'était bien parce que ça faisait participer le groupe. Ça nous réveillait en ce vendredi matin. Puis, il faut savoir que le groupe de Carlos, c'était des cours de 4 heures. Donc, 4 heures, ça peut être très long. Et c'était en session intensive 2 fois par semaine. Donc, Carlos nous disait, si je fais de l'exposé magistral ou interactif pendant 4 heures, 2 fois par semaine, je les perds. J'ai un taux d'absentéisme très élevé. Donc, c'est ma façon de faire des petits jeux. Puis, lui, il les utilisait souvent pour faire des retours sur les lectures. Donc, faire venir des étudiants à l'avant, puis on discute des lectures. Puis, il ne faut pas s'en tenir seulement aux réponses. C'était vraiment l'occasion pour lui d'apporter des compléments d'information et aller au-delà des lectures par son jeu pédagogique. Donc, il ne se contentait pas de faire un quiz, exemple, puis demander aux étudiants vrai ou faux, puis s'arrêter là. Non, vrai ou faux, faux, OK, pourquoi? Puis là, il complétait. Donc, il faisait une sorte d'enseignement, d'exposé interactif via son jeu pédagogique, et ça a été très porteur. On pouvait voir plein de signes de niveau de motivation. Les étudiants s'applaudissaient, ça riait. Donc, moi, lorsque j'étais en observation en classe, ça a été une des stratégies pédagogiques qui nous faisait voir la motivation à apprendre vraiment de façon la plus perceptible pour un observateur. Là, ça ne dit pas que les autres stratégies pédagogiques n'étaient pas motivantes au niveau de la motivation à apprendre parce qu'on ne voit pas des gestes de motivation, mais je vous dirais qu'au niveau de l'observation, ça a été les jeux pédagogiques où j'ai vu vraiment vraiment des sourires, des applaudissements et des fous rires. Donc, voilà. Du plaisir, en fait. Oh, attendez. Travail d'équipe. Donc, travail d'équipe, lui, il faisait beaucoup d'ateliers qui permettaient aux étudiants de voir des notions d'apprentissage. Il faut circuler lorsqu'on fait du travail d'équipe, répondre aux questions, donner des explications. Puis, des trucs que je peux vous donner lorsque vous faites faire du travail d'équipe à vos étudiants. En fait, ce que Carlos faisait, c'est qu'il fournissait le matériel la plupart du temps. Donc, fournir le plus possible le matériel. Fournir des textes, fournir des crayons, des affiches, des post-it, tout ce qu'ils auront besoin pour réaliser. Ça diminue beaucoup les facteurs de stress des étudiants de se dire « Ah, il faut à la bibliothèque, chercher des textes, etc. » Ça ne veut pas dire que à certaines occasions, on ne leur fait pas chercher les textes par eux-mêmes. Mais le fait de fournir le matériel, c'était très aidant. Ils mettaient ça souvent dans des valises ou dans des fiches et ils distribuaient directement. Ça permettait aux étudiants de partir, donc avoir un certain contrôle parce qu'ils c'est libre à eux de partir à la bibliothèque, à la cafétéria, faire leur travail ou de rester en classe pour profiter du soutien du professeur. Mais ils les faisaient toujours revenir à une heure précise pour faire une plénière. Une autre stratégie qu'ils utilisaient, c'est la présentation orale par les étudiants. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs enseignants universitaires ou collégiaux qui font déjà cette stratégie-là. Mais souvent, ce qu'on fait, et ce qui n'est peut-être pas la meilleure idée, c'est de faire les présentations orales lors du même cours. Donc, on a vraiment un alignement d'une dizaine de présentations dans un 3 heures de cours. Et bien, comme toute chose, on devient saturé de cette façon de faire-là. Donc, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il choisissait 4 cours vers la fin de la session,
Puis, il faisait faire les présentations orales. Puis après ça, il revenait avec des notions lui-même là, en exposé interactif qui avaient été traitées dans les exposés des étudiants. Donc, il ne répétait pas ce qui était dit, mais il faisait des compléments d'informations. Donc, lui, il s'assurait avec les équipes que le contenu qui était présenté était intéressant. Puis, il approfondissait les savoirs, les connaissances qui étaient divulguées par les étudiants. Ensuite, on a d'autres activités. Excusez-moi, j'ai oublié de vous parler des débats qu'ils faisaient lors du travail d'équipe. Aussi, ils faisaient faire des débats. Donc, ils imposaient à deux groupes des positions. Donc, c'est pour ou contre telle notion. Lui, c'était sur les sociétés, donc il était en univers social. Alors, il imposait il faisait faire des débats en classe. Donc, activités à réaliser seules ou en dial, il ne faut pas les oublier parce que ce sont des moments où les étudiants peuvent se poser, réfléchir et on incite les étudiants à réfléchir de façon individuelle. Parce que lorsqu'on reste en grand groupe en tout temps pendant nos cours, on ne peut pas s'assurer que chacun des étudiants a pris le temps de se faire une réflexion sur le sujet et a vraiment réellement compris la notion qu'on va leur expliquer. Alors, il faisait beaucoup d'activités seules ou en diade. L'apprentissage par problème, donc il donne une situation conflictuelle, donc un problème qui se pose dans le milieu de pratique, puis il expliquait après, là, lorsque les étudiants, après 3 heures, avaient tenté de résoudre le problème, faisait un retour, toujours des plénières, souvent après les exposés. Et en apprentissage par problème, c'est très important de ne pas donner les notions avant. Comparé à l'étude de cas, on va expliquer une notion, un phénomène ou des étapes de résolution de quelque chose. Puis là, on va donner un cas issu de la pratique et on va demander aux étudiants de le résoudre. Donc, c'est deux choses quand même distinctes. Je pourrais vous en parler si vous avez des questions à ce niveau-là un peu plus tard. Et je vous en ai parlé un peu lors des exposés magistraux interactifs. C'est vraiment pour faire des retours, là, puis vous le voyez dans l'extrait qui est présenté, ça c'est Carlos qui le dit, c'est moi qui prends la parole pour mettre certains éléments clairs, définir certains concepts ou revenir sur certains éléments, mais c'est essentiel cette stratégie-là. Je trouve que les étudiants vont regarder plus leur téléphone lorsque je fais juste des exposés qui sont un peu trop longs. Donc, ils l'utilisent pour faire des synthèses, vraiment. Ça, je vous en avais parlé. Donc, pour les étudiants de Carlos, là, ça a été vraiment, si on peut voir les chiffres en bas, 4.16, 4.15, 4.28 sur 5, ça a été des perceptions de la motivation à apprendre les plus élevées. Donc, le cas où j'ai vu des motivations à apprendre les plus élevées, donc les étudiants trouvent que c'était un cours très appliqué, donc il faisait beaucoup de liens avec la pratique. Ce n'était pas complètement déconnecté ou juste du par cœur. Ça a été très, très, très identifié par les étudiants. Faire du par cœur qui mène à un examen à la fin et déconnecter de la pratique, ce n'est pas ce qu'ils apprécient. Ils avaient un certain contrôle, donc le fait de choisir les modalités de réalisation de l'examen, c'était assez libre. Le fait de pouvoir sortir de la classe lors des ateliers, d'avoir vraiment une autonomie, ça a été très motivant pour les étudiants. Puis, le fait de se sentir quand même apte à enseigner un cours d'univers social demain, là. Donc, ils se sont dit à la fin de la session, écoute, je serais capable d'enseigner ce cours-là avec des enfants du primaire, avec des élèves du primaire demain parce que j'ai eu des outils. Il m'a donné des exemples, j'ai fait des jeux de rôle, je me suis mis dans la peau d'élèves, je me suis mis dans la peau des enseignants. Comment je vais intervenir dans telle situation? Puis, j'ai confectionné des outils pour pouvoir le faire. Donc, ça a été très, très porteur pour leur motivation. Donc, enfin, ce que les étudiants nous disent au niveau de le fait de diversifier les stratégies pédagogiques au courant de la session, c'est que ça fait changement des cours typiques à l'université. Juste de faire changement, c'est déjà un gros pas en avant. Carlos avait un défi de taille parce qu'on était comme 60 dans un petit local cordé. Puis, ce n'était pas toujours évident. On aurait tendance à croire que dans ce local-là, le magistral allait l'emporter, mais ce n'est pas ce qui a été le cas. Donc, souvent, on se dit « Ah, on a des conditions qui ne sont pas facilitantes. » On prend la voie un peu plus facile, mais il faut se donner le défi d'aller un peu plus loin et de trouver des façons de faire différentes pour motiver nos étudiants. Troisième extrait que j'ai relevé ici, il utilisait plusieurs pédagogies. Il était toujours dans le socio-constructivisme. Il utilisait beaucoup de façons différentes d'apporter la nouvelle matière. Ça nous permettait vraiment de mieux apprendre, d'apprendre en faisant quelque chose. Donc voilà, cette dernière citation-là me fait rappeler que j'ai même un article qu'on a écrit là où on parle vraiment des stratégies actives, la nécessité d'utiliser des stratégies actives
en complémentarité avec l'enseignement magistral et l'exposé interactif. Donc, d'utiliser ces deux stratégies-là ensemble va vraiment forcer les étudiants à construire leurs apprentissages par eux-mêmes, tout en bénéficiant là, de la part de leur enseignant pour donner des réflexions, nourrir leurs réflexions qu'ils auront eues par eux-mêmes dans le cadre d'activité. Je termine avec les obstacles qui peuvent freiner la diversification pédagogique avant d'aller vers les questions. Donc, les enseignants sont face à certains obstacles, comme par exemple les coûts qui peuvent être associés à mettre en œuvre des stratégies pédagogiques diversifiées. Il faut acheter du matériel, il faut préparer, donc le temps qui est nécessaire à la planification. Donc, c'est beaucoup plus prenant. Quoi qu'on pourrait penser, certains étudiants peuvent penser que pendant le cours, l'enseignant n'est pas en train de tout donner parce qu'il n'est pas en avant en train de présenter ce qu'il a présenté. Mais non, tout l'investissement s'est fait avant. Puis pendant le cours, bien, les réflexions sont beaucoup plus intéressantes. Donc, l'enseignant circule et il y a des réflexions qui sont beaucoup plus importantes. Donc, le temps puis les coûts associés, très importants. Puis un peu sur la même note que ce que je vous disais tantôt, là, d'autres facteurs qui influencent, bien évidemment que Carlos est un enseignant universitaire avec des qualités personnelles vraiment extraordinaires. Donc, vous en avez un petit portrait ici, là, fait preuve d'humilité, une personnalité vraiment différente, compétent, et il a établi une bonne relation, était dynamique, un sens de l'humour. Donc, ça l'a joué pour beaucoup. Vous voyez, j'avais un des formateurs, un des enseignants universitaires qui, lui, était très sévère. Donc, ça ressortit que Carlos, lui, il n'était pas trop sévère, il était juste envers tout le monde. Donc, ça, c'était vraiment des bonnes qualités qui ressortaient comme étant importantes, même si on fait des stratégies pédagogiques variées. Donc, je vais prendre les questions. En vous présentant ici ce petit schéma-là synthèse, puis je pense que peut-être que les questions, je pourrais répondre en parlant de ce petit schéma-là. Donc, des activités pédagogiques qu'on propose, qu'elles soient diversifiées, actives, mais aussi en ne pas oubliant de continuer à utiliser des stratégies traditionnelles, surtout en prenant en compte le contexte et les facteurs contextuels qui peuvent faire une différence lorsqu'on fait des stratégies pédagogiques diversifiées, vont avoir des incidences là, sur les sources de motivation et sur l'apprentissage. Marina, je suis prête pour des questions. Oui, il y en a plusieurs, donc je vais essayer de centraliser le tout pour vu le temps qui nous est imparti. Donc voilà, la première, peut-être juste pour clarifier, parce qu'il y avait quelle est la différence entre le travail d'équipe et le groupe de discussion. Donc si vite fait, tu as une réponse pour ça, puis après on va aller sur les stratégies, les questions sur les stratégies. Oui, travail d'équipe, groupe de discussion, en fait, j'ai pas réussi nécessairement à les distinguer. J'ai fait dans un de mes articles des catégories de stratégie pédagogique où j'ai mis le travail d'équipe en tant que catégorie, dont fait partie les groupes de discussion, les ateliers, plusieurs autres activités comme ça qui seraient plutôt des techniques. Donc, travail d'équipe ne figurait pas dans les 6 typologies que je vous ai présentées au début. C'est moi qui l'ai comme ajouté là, au schéma synthèse pour dire que c'est une catégorie de stratégie qui inclut plusieurs techniques pédagogiques. Et d'ailleurs, graffiti, est-ce que tu peux juste expliquer vite fait ce que c'est? Graffiti collectif, oui, c'est une technique pédagogique qu'on utilise souvent en apprentissage coop, coopératif. Donc, c'est le fait de faire, par exemple, si on est 4 autour d'une table, on va donner un concept et on va demander aux étudiants d'avoir, par exemple, une couleur de crayon différente et de proposer une définition du concept avec une image, par exemple, où on va dessiner chacun avec notre couleur de crayon. Donc, on a besoin de l'autre, on a une interdépendance positive, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres pour réaliser la classe. Ça peut être aussi 4 cadrans où chacun va faire l'interprétation de notre concept dans notre cadran. On va tourner la feuille et on va compléter le cadran de l'autre pour élaborer notre conception du concept qui est présenté. Parfait. Sur la diversité des stratégies, tu as mis en avant qu'il y avait la nécessité de l'exposé magistral. Puis on a des questions sur est-ce qu'il y aurait un ratio favorable, par exemple, entre l'alternance nombre d'épisodes, nombre d'utilisations. Il y a quelqu'un qui nous dit est-ce qu'il y aurait un exposé magistral de 45 minutes suivi d'autres stratégies ou alors tu as d'autres alternances. Est-ce qu'il y aurait un ratio là-dessus que tu recommanderais ou qui serait favorable? Moi, ce que je vais vous dire, c'est l'idéal, mais évidemment que je ne vous impose pas de faire ça tout de suite dans votre pratique demain. Donc, ça serait de le faire petit à petit. Mais l'idéal, ce serait de ne jamais partir d'un exposé magistral d'emblée. Ce que démontre ma recherche, c'est de plutôt
faire des activités actives et ensuite faire des retours de façon en exposé interactif, par exemple. Il y a peut-être juste l'étude de cas où on a besoin des notions avant pour aller dans l'activité active ensuite, mais toutes les autres stratégies, ou presque, c'est préférable de faire lire les étudiants avant, de ne pas faire l'exposé magistrat tout de suite, de faire vivre l'activité active et d'ensuite faire des retours et d'utiliser l'exposé interactif pour compléter les informations qui ont été, donc les apprentissages qui vont être construits par les étudiants. Question justement de motivation pour tout ce qui touche au numérique et aux formations à distance. Comment favoriser la motivation des étudiants ou comment le numérique peut-il contribuer à varier les stratégies pédagogiques qui auront un impact sur la motivation des étudiants? Oui, ça, c'est une excellente question. Ça m'a été même posé à ma soutenance de thèse. Évidemment, ma thèse n'a pas abordé ces questions-là parce que chacun de mes 4 cas était en présence. Mais j'ai réfléchi beaucoup à ça et c'est pour ça que maintenant, je propose des projets de recherche qui ne vont jamais mettre de côté le numérique, sachant que c'est tellement relié. La réflexion que je me suis faite là, depuis 2 ans que j'ai réfléchi, c'est que maintenant, on ne peut plus penser les stratégies pédagogiques actives indépendamment du numérique. Donc, même si je ne vous en ai pas fait mention notamment dans ma présentation, bien, pour moi, utiliser l'apprentissage par problème sans l'utilisation du numérique, c'est pratiquement impossible parce qu'on doit faire la recherche d'informations sur Internet en utilisant les outils, faire l'apprentissage par projet outils sans utiliser des outils comme le iPad, des téléphones intelligents pour faire des vidéos, des montages, des outils technologiques comme l'ordinateur pour faire des montages vidéo. Ça va ensemble, donc je le vois vraiment de façon interreliée, là, l'utilisation. Donc, utiliser le plein potentiel des outils du numérique en utilisant des stratégies actives, d'après moi, ça va décupler. Parce qu'on sait que les outils du numérique, il y a plusieurs recherches qui ont démontré que ça a aussi des effets sur le développement des compétences des étudiants. Donc, de les utiliser les deux ensemble, ça va être d'autant plus porteur. Dernière question, peut-être avant de passer au suivant. Comment tu pourrais justement appliquer tes résultats-là justement dans une formation à distance, mais asynchrone? Ça, c'est encore une discussion, puis je suis en train de développer un cours en ce moment. Je suis co-porteuse d'un projet de développement pédagogique avec Marina d'ailleurs, qui est dans le projet, où on essaie de voir comment avoir une façon de faire qui va nous permettre, en fait, mais ça, c'est plutôt en classe inversée. Donc, il y a des moments quand même de pédagogie active qui sont réalisés en classe, mais qui pourraient être réalisés de façon synchrone, par contre. Je n'ai pas encore trouvé la bonne façon ou l'idée du siècle pour vous dire que de façon asynchrone, on pourrait utiliser des stratégies actives. Je continue à croire que des moments d'échange synchrone, qu'ils soient à distance ou en présence, sont favorables à la motivation à apprendre des étudiants. Mais là, je n'ai pas d'études là, qui prouvent ce que je suis en train de dire. Là. C'est vraiment mon intuition là, de pouvoir avoir vu plusieurs stratégies actives faites en présentiel ou à distance, mais où les étudiants peuvent communiquer entre eux, co-construire leurs apprentissages avec d'autres. Je te propose de poursuivre parce que je vois le temps passer. Je sais que tu as encore des thématiques à aborder. Quelques thématiques, en fait, j'y vais. Quelle heure est-il, là? Oui, c'est ça, il reste. Bon, OK, on avait dit jusqu'à 13h30. Je vais essayer de faire rapide pour mes constats, puis on ira dans les questions plus longues après. Bonne idée. Alors, quelques constats là, pour vous aider à varier vos stratégies pédagogiques dans le cadre de vos cours au cégep, à l'université. Donc, premier constat, la thèse a rapporté que les 4 enseignants utilisaient une variété de stratégies pédagogiques, mais que certaines des stratégies qu'ils ont utilisées n'étaient pas répertoriées dans les ouvrages nécessairement. Donc, plusieurs enseignants réussissent à faire des choses innovantes, puis il faut s'en inspirer. Mais aussi qu'il y a plusieurs stratégies pédagogiques qui sont très documentées par des études scientifiques comme l'apprentissage coopératif, l'apprentissage par problème ou d'autres, qui n'ont même pas été utilisées par les enseignants universitaires. Donc ça m'a questionnée beaucoup, puis je me suis dit, bien, c'est probablement parce que les formateurs, les enseignants universitaires, on n'est pas assez formés aux différentes stratégies pédagogiques, donc ça ne nous permet pas de se dire, j'ai telle intention pédagogique, quelle stratégie je vais choisir? Donc, voici l'éventail de mon coffre à outils, laquelle je vais sélectionner pour cette intention précise-là.
Donc, n'hésitez pas à aller chercher des formations auprès de vos centres de formation à l'université. Donc, à l'UQAM, il y a le CFSA qui donne des formations à la carte sur des stratégies particulières. Mais je suis certaine que dans les autres universités, il y a aussi des webinaires, il y a aussi d'autres façons de vous former. Il y a des textes que vous pouvez aller lire. Formez-vous à l'utilisation des stratégies pédagogiques pour choisir la bonne qui va être appropriée à l'intention que vous vous êtes fixée. Deuxième constat, donc les étudiants ont démontré une motivation élevée à apprendre dans le cadre des activités qui étaient proposées, qui étaient actives et qui étaient variées. Donc, je pense que si vous comprenez, comme aujourd'hui, ce que vous venez de vivre dans ce webinaire-là, le fait de comprendre un peu plus les apports d'utilisation des stratégies diversifiées et actives à la motivation de vos étudiants vont vous permettre, lorsque vous allez expérimenter une stratégie active ou essayer d'en utiliser plusieurs dans le cadre de votre cours, de réfléchir et de prendre en compte ce qui va s'être passé de positif, de négatif dans des conditions facilitantes et des défis auxquels vous avez fait face, mais que vos étudiants aussi, pour vous réapproprier cette façon de faire-là pour l'année prochaine. Donc, ne vous mettez pas les attentes trop hautes. Déjà, de vous intéresser à ça, d'être présent aujourd'hui, de réfléchir à la compréhension des apports de stratégies variées, va vous, déjà vous mettre dans une posture là, de réflexion et d'action. Donc, c'est déjà super. Puis, ne pas oublier que certains facteurs peuvent renforcer ou diminuer là, les apports des stratégies pédagogiques à la motivation des étudiants. T'sais, on a parlé des facteurs liés aux étudiants ou à l'enseignant, au cours aussi, à la motivation personnelle de chacun. Donc, s'informer, se questionner sur l'influence positive, négative du contexte d'utilisation des stratégies peut vous aider. Par exemple, si je prends le cas de Kate, qui avait des motivations à apprendre très élevées en début de session, là, c'était le tableau que je vous ai présenté rapidement, par exemple, les trois perceptions en temps 1, temps 2, bien, des niveaux de motivation très élevés en début de session et ça a un petit peu tendance à diminuer à la fin. Donc, des étudiants disaient que c'était pas le fait de varier les stratégies, donc ça les avait motivés, mais c'était d'autres facteurs qui ont contribué à diminuer leur niveau de motivation, comme par exemple la structure du cours, etc., qui était pas toute là, ou le fait de se faire prendre pour des enfants, de mal expliquer l'utilité de l'activité. Donc ça a été d'avoir toujours en tête les conditions là, qui peuvent moduler les niveaux de motivation de vos étudiants lorsqu'on utilise des stratégies pédagogiques diversifiées. Bien, moi, ça fait le tour là, pour ce que j'avais à dire, ce que j'ai fait ça rapidement vers la fin, mais le cœur de l'exposé était vraiment de toute façon de vous présenter plusieurs idées pour vous inspirer dans votre pratique. Donc, la dernière demi-heure va être réservée vraiment à la réponse aux questions des gens dans la salle. Bien, merci beaucoup, Émilie. Donc, je vais faire le tour des questions qui restaient. Il y avait justement une question intéressante sur comment convaincre les enseignants, à varier et se questionner sur ces pratiques, justement. Excuse-moi, je n'ai pas entendu le début. Comment convaincre les enseignants à varier et se questionner sur ces pratiques? Mm. Tu as parlé qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui utilisaient encore l'enseignement magistral. Donc, comment les convaincre de varier leur stratégie? Bon. D'emblée, c'est une bonne question. Il faut savoir que souvent, les personnes qui s'intéressent à varier leur stratégie sont déjà les personnes qui ont un intérêt pour la pédagogie et qui ont le souhait de faire autrement. Donc, vous, déjà, je sais que je vous ai convaincu. Si vous êtes venu aujourd'hui, ça va probablement vous aider à peut-être vous mettre dans l'action ou améliorer ce que vous faites déjà. Mais comment convaincre d'autres personnes qui ne le font pas et que vous aimeriez qu'on... Souvent, c'est qu'on souhaite convaincre des collègues qui donnent le même cours que nous, que ces stratégies-là vont être motivantes pour nos étudiants. Mais vous pouvez vous référer à certaines études qui ont démontré que chacune des stratégies pédagogiques, puis ça, il y en a vraiment beaucoup là. Ce qui est moins présent dans la littérature, c'est des études qui démontrent qu'une variété de stratégies est positive. C'est pour ça que j'ai fait la thèse sur ce sujet-là. Mais pour ce qui est des stratégies précisément, par exemple, vous tapez dans les bases de données « apprentissage par projet, motivation des étudiants », il y a vraiment beaucoup d'études qui démontrent les apports des stratégies actives sur le développement des compétences, l'acquisition de connaissances des élèves, puis la motivation à apprendre des étudiants. Ça serait vraiment de leur sortir. Si vous avez une idée d'activité, vous choisissez une stratégie, puis vous voulez convaincre un collègue, vous dites « Regarde, j'ai vu que l'apprentissage n'est pas problème, ça a tels avantages, voici des textes. » Il y en a beaucoup, il y a des vidéos, il y a vraiment beaucoup de choses sur chacune des stratégies précisément.
Justement, il y a un grand courant sur les données probantes, enfin, sur les données probantes et sur l'efficacité de l'enseignement explicite. L'enseignement explicite ne semble pas être parmi les modalités que vous avez retenues pour la motivation et la réussite. Y a-t-il des nuances à apporter pour ceux qui ne jurent que par l'enseignement explicite sur les résultats scolaires des étudiants? En fait, le courant sur l'enseignement explicite, à moins que je me trompe, il est plus important à l'enseignement primaire et secondaire. On le voit moins à l'enseignement universitaire. Donc, c'est pour ça que ça ne se retrouve pas dans les 6 typologies de stratégies que je vous ai présentées. Ce n'est pas parce que ça ne se retrouve pas que ce n'est pas présent. Donc, les typologies n'en parlaient pas et ça a donné que les 4 formateurs que j'ai ciblés ne l'ont pas utilisé. J'aurais fait une étude de cas avec un autre formateur et il l'aurait utilisé. Peut-être, mais là, ça ne s'est pas présenté. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, ça ne se reflète pas dans les stratégies que je vous ai présentées aujourd'hui. Mais comme toute stratégie, je rappelle, l'enseignement explicite est excellente pour développer des stratégies métacognitives. On le sait. Donc, chaque stratégie a des buts d'apprentissage précis. Puis, l'idée, c'est de la sélectionner si vous voulez développer des stratégies métacognitives chez vos étudiants. L'enseignement explicite est excellent. L'enseignement d'une notion précise, l'enseignement explicite aussi, c'est excellent. Donc, c'est oui de la sélectionner lorsque c'est opportun. Dans cette étude, justement, tu présentais des étudiants qui sont en éducation puis qui sont en génie. Est-ce que tu ne penses pas que les étudiants en enseignement, sont plus réceptifs aux stratégies pédagogiques et donc, n'est-ce pas un biais? On pose la question. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on voulait avoir des étudiants dans d'autres domaines. Puis, en fait, le biais, oui, j'en ai parlé de ça, mais l'idée, ce n'était pas de comparer les cas. Donc, dans ma tête, je n'ai pas comparé en disant, par exemple, Carlos, Marc, donc Carlos était plus motivé, donc il est meilleur, loin de là. Donc, c'était vraiment de voir des cas en éducation, des cas en génie, puis de voir, oui, j'ai été voir l'augmentation, le niveau de motivation des étudiants chez ces profs-là. Puis c'est pour ça que j'ai tenté aussi de ne pas mettre de côté les contextes qui étaient derrière ça. Ce qui a été le plus dur, en fait, dans cette recherche-là, ça a été que les étudiants en éducation, évidemment qu'il y avait une facilité, donc ça, c'est un biais de la recherche, là, puis ça, je l'ai nommé, avaient une meilleure facilité à exposer leur niveau de motivation puis à nommer ce qu'ils avaient vécu. Alors que les étudiants en génie, ils ne pouvaient pas me dire, par exemple, « Ah, j'ai aimé le cours 2, on a fait un jigsaw ». Ils ne savent pas c'est quoi. Donc, ils n'ont pas pu nommer. Donc, c'était à moi, lors de l'analyse qualitative des verbatims, lors des entrevues avec les étudiants, de relever l'étudiant est en train de me parler de telle stratégie. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est comme ça que j'ai pallié à ce biais-là. C'est de, moi, nommer les stratégies qu'ils vivaient, même s'ils n'avaient pas les mots pour le dire. Donc, ils m'expliquaient pourquoi ils étaient motivés lors de telle activité, même s'ils n'ont pas nommé de quelle stratégie il s'agissait. Bon, ben justement, il y a une question sur une question plutôt un commentaire sur la compétition qui peut impacter justement la motivation à travailler en équipe. Donc là, on peut voir aussi les différences entre génie et enseignement, éducation. Ça, je pense qu'il y a un impact aussi par rapport à ça. Oui, mais j'ai pas, en tout cas dans le cadre des 4 cas dont je vous ai parlé, je n'ai pas senti beaucoup de compétition lors des activités actives d'apprentissage. La compétition était souvent au niveau des TP qui étaient réalisés seuls. Donc, les étudiants étaient comme, le prof. Donc, on avait un des profs en génie qui, lui, comparait beaucoup les étudiants, leur disait que la moyenne, c'était ci. Donc, là, les étudiants qui avaient des moins bonnes notes se sont sentis très... ça a altéré beaucoup leur motivation à apprendre, négativement, en fait. Mais je pourrais vous dire que non, lors des stratégies actives qui n'étaient généralement pas évaluées, donc, il n'y avait pas des points là, pour le fait d'avoir participé en classe. Je n'ai pas senti de sentiment de compétition là, plus fort en génie ou en éducation. Non. Dans des cours qui sont de courte durée et qui doivent faire acquérir beaucoup de nouveaux concepts, par exemple en santé, est-ce que le fait de partir d'une stratégie active avant le magistral ne risque pas de confronter les élèves face à plusieurs difficultés? OK. La question, je pensais que vous en alliez, ça ne va pas confronter les élèves, ça ne va pas faire un conflit cognitif. Bien, justement, c'est ce qu'on veut. Créer une difficulté, un genre de conflit cognitif au départ,
c'est ça qui est intéressant lorsqu'on fait une stratégie active. Donc, moi, je ne vois pas de souci avec ça. C'est sûr que vous avez beaucoup de contenu à passer. C'est trouver une activité qui va permettre de traiter de tout ça. Donc, autant développer les compétences que vous voulez développer, par exemple, en santé chez vos futurs praticiens, mais aussi les connaissances théoriques. Donc, il y a certaines stratégies, comme par l'apprentissage par la découverte, par exemple, qui vont vous permettre de passer des contenus théoriques en faisant apprendre par les étudiants la notion, tout en développant d'autres compétences transversales, là, comme collaborer avec des collègues, résoudre des problèmes, etc. Donc, je n'ai pas l'impression, en tout cas, moi, je trouve toujours que c'est nécessaire d'avoir des problèmes qui surviennent pour régler ça et d'en discuter avec les étudiants. On a vécu ça, vous avez vécu telle difficulté, comment on va faire la prochaine fois pour notre prochaine activité en classe pour passer plus rapidement parce que là, ça nous a pris trop de temps aujourd'hui, mais aussi de réfléchir à comment dans notre future profession, on va faire face à ces enjeux-là, ces difficultés, puis comment on va s'améliorer. Moi, je vois pas de gros soucis avec ça, mais je sais que c'est difficile. C'est qu'il faut faire des choix, hein? Il y a certains contenus théoriques, c'est vrai qu'en apprentissage actif, si on fait toute notre session comme ça, c'est vrai qu'on fait des choix. On enlève certains contenus théoriques qu'on aurait passés de façon magistrale, mais qu'il faut se dire que les étudiants les ont probablement construits ces apprentissages-là. Donc, c'est sûr, il faut faire des choix qui sont parfois déchirants, mais il faut s'asseoir puis réfléchir à tout ça là, sur vraiment une session complète. Mais justement, Excuse-moi, avant de te laisser, je te dirais aussi qu'il faut arrimer nos outils d'évaluation en fonction des choix de stratégie pédagogique qu'on va avoir fait. C'est sûr que si votre examen, à la fin, c'est un examen à choix de réponse, ça va être difficile parce que les étudiants, ils vont avoir développé autre chose pendant la session. Donc, c'est sûr que nos outils d'évaluation doivent être arrimés à ce qu'on privilégie tout au long de la session puis à notre posture en tant qu'enseignant aussi, là. On est dans une posture active, on n'est pas dans le... Donc, il faut que ça soit relié. Justement, dans cette démarche de réflexion, quelqu'un nous dit, est-ce que, possiblement, il y aurait un outil de référence à privilégier pour trouver, justement, ou comprendre les avantages et les inconvénients de telles méthodes et techniques pédagogiques? Souvent, on réfère à Chamberlain ou d'autres choses. Est-ce que, tu aurais un outil de référence à privilégier pour faire la balance, justement, comme tu viens de dire, entre ces différentes choses? Oui, il y a le livre de Ménard qui en traite beaucoup, vraiment spécifiquement à l'enseignement postsecondaire. Je pourrais peut-être vous ajouter la référence là, dans le chat par après. Là. Je vais le trouver, je vais vous écrire ça, la référence. « Se former à la pédagogie et l'enseignement supérieur », le titre, quelque chose comme ça. Donc, cet ouvrage-là est très pertinent. Spécifiquement, l'enseignement supérieur, c'est ce qui est intéressant. Les ouvrages de Vienno et de Rabhi et Viola aussi sont vraiment, vraiment très accessibles. On peut penser qu'ils sont plus pour le primaire, secondaire, mais il y a vraiment des exemples aussi en enseignement supérieur dans ces textes-là. Donc, c'est plus pour tous les ordres d'enseignement, mais... En fait, les étapes d'une stratégie pédagogique sont les mêmes, qu'on les fasse au primaire ou à l'université. C'est de voir comment, nous, on va le faire dans le contexte précis de notre formation, de notre sujet d'étude, de notre sujet à faire apprendre. Merci, Émilie. C'était pas mal les questions principales, en tout cas. Les autres, c'est qui a répondu justement par la suite de ta présentation. Et justement, je vois Marie-Michel qui met justement les références que tu mets dans le chat. Donc, on pourra aussi en mettre d'autres. Je rappelle également que le GRIP a fait aussi des modules d'auto-formation en ligne sur enseigner à l'université où on retrouve, même si c'est de manière très succincte, quelques références à ce que tu as dit, Émilie. Donc, les gens peuvent s'inscrire aussi. C'est des modules de 3 heures. Donc, c'est pas complet comme ce que tu viens de nous montrer, mais il y a des petites choses aussi qui peuvent peut-être se référer à d'autres références ou des choses comme ça. Donc, est-ce que tu aurais peut-être d'autres points que tu voudrais expliciter ou autre? Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Non, moi, je suis très heureuse d'avoir parlé de ma recherche tout en espérant vous avoir inspiré. Ce que je voudrais finir peut-être, la petite conclusion, c'est de prendre une bouchée à la fois, de ne pas tenter de n'utiliser que des stratégies actives si vous n'êtes pas habile avec ce genre de stratégie-là, de ne pas vouloir faire 14 stratégies comme Carlos, ça fait 20 ans qu'il enseigne, il a développé ses façons de faire. Donc, y aller une stratégie à la fois, peut-être en essayer une à la prochaine session. Si ça va bien, vous la reproduisez et vous en ajoutez une autre à l'autre session. Donc, vraiment, y aller petit à petit et
N'hésitez pas à prendre le pouls des étudiants, comment ils ont aimé, est-ce que ça les a motivés ou pas, donc pour vous améliorer pour les années d'après. Donc, allez-y petit à petit, mais l'idée, c'est d'en utiliser plusieurs pour répondre là, vraiment aux besoins de tous nos étudiants. Parce que ce n'est pas parce que nous, on s'est rendu à l'université et parce que nous, on apprend bien en enseignement magistral, par exemple, si c'est votre cas, que c'est le cas de tous vos étudiants qui sont maintenant là avec la démocratisation qualitative de l'enseignement. Plusieurs étudiants universitaires qui sont sur nos bancs d'école maintenant, on ne peut plus penser que la stratégie qui a été bonne pour nous est bonne pour tout le monde. Voilà. Mais merci beaucoup, Émilie. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous allez recevoir prochainement une évaluation du webinaire et vous retrouverez en fait l'enregistrement de ce webinaire sur le portail du soutien à la pédagogie universitaire, le même endroit auquel vous êtes inscrit en fait pour participer à ce webinaire. Donc, vous retrouverez toutes les informations. Merci à tous et à bientôt. Merci, Émilie. Bonne journée. Au plaisir. Bonne journée.